Bonjour. Oui. Une autre question que je reçois très souvent, c'est combien de boîtes est-ce que je dois prendre pour avoir le résultat? Oh non, pour le traitement, voilà, c'est souvent ça la question. Combien de boîtes pour le traitement? Je vais dire pour le traitement d'éclaircissement, quoi. J'ai toujours l'habitude de dire, ok, prenez sur telle période pour évaluer le résultat, et puis c'est un long traitement, bla 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 bla. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redirai encore mille et une fois. Maintenant, quand vous posez cette question, parfois j'ai souvent l'impression que est-ce que vous pensez que quand vous allez éclaircir, vous n'allez plus jamais déséclaircir si vous arrêtez d'en prendre. Bon, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous choisissez l'option d'éclaircir la peau, c'est à vie. S'il vous plaît, comprenez, une fois, c'est à vie. Il n'y a pas un éclaircissement périodique. Je pense que je l'ai expliqué plusieurs fois. Il n'y a pas que, bon, moi, je vais m'éclaircir sur 6 mois après, bon, voilà, je ne suis plus là. Non, ça va. Si vous faites ça, il y aura le retour. Donc, quand vous demandez souvent combien de boîtes il faut, je ne sais pas ce que je dois vous dire parce que vous voulez faire quoi exactement? Si vous voulez éclaircir la peau, ça veut dire que vous allez continuer à prendre. Vous ne pourrez plus arrêter. Vous devez prendre et prendre et prendre et prendre. Si vous n'êtes pas prêt à prendre et prendre et prendre et prendre, ne commencez pas. Ne commencez pas. Et je voudrais surtout rappeler que moi, je n'ai aucun problème à vous vendre tous les produits que vous voulez. C'est-à-dire que quand vous me demandez combien de boîtes il faut, je peux très bien vous dire qu'il faut 3 boîtes. Après, tu m'envoies l'argent de 3 boîtes, là, je t'envoie, ça ne fait pas. Ça me fait quoi? Rien. Mais ce n'est pas ça mon objectif en fait. Je veux informer les gens de manière, comment dire, de manière claire. Quand tu prends ta décision, tu sais à quoi t'attendre. Donc, ne jouez pas au serpent avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. L'éclaircissement de la peau, c'est un processus, comment dire, à vie. C'est un processus éternel. Comment te dire? Éternel, c'est pas le mot. C'est un processus, comment dire, à l'infini. On ne s'arrête pas. On n'arrête pas d'éclaircir la peau quand on commence. Si tu, bien sûr, ça ne veut pas dire que si tu arrêtes, ça ne peut pas s'arrêter. Hein. Tu peux décider que je ne veux plus. Mais si dans ta tête, tu commences en te disant que toi, tu veux avoir un teint clair à vie, ça veut dire que tu ne vas plus jamais arrêter de t'éclaircir la peau. Donc, quand vous demandez, c'est ces erreurs que vous commettez, quand vous partez voir des vendeurs et vous leur demandez, ça va prendre combien de temps pour éclaircir ou bien je peux prendre, il me faut combien de boîtes pour avoir tel résultat. Bah, parce que lui veut vendre, il te dit, il te faut 5 boîtes, il te faut 3 boîtes. Tu prends les 3 boîtes. Certaines personnes, ils veulent acheter les 3 boîtes tout de suite. Comme ça, ils sont derrière le problème. Et c'est là où vous êtes tombé dans le piège. Vous allez acheter les 3 boîtes qui coûtent tellement cher. Et après les 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas combien de temps vous allez prendre ces produits, vous ne voyez rien. Et puis vous dites, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne va pas marcher. Bien sûr. Parce que c'est trop tôt. Et donc, quand quelqu'un vous dit, voilà, c'est à vie. Tu vas prendre ces avis et même pour voir le résultat, il faut encore attendre très longtemps. Vous pensez qu'on le dit parce que je vais encaisser l'argent, puisque quand je vous dis, c'est pas parce que vous m'avez donné votre argent que je vous dis ça. Quand je vous dis, c'est libre à vous de choisir si vous voulez acheter ou pas, parce que je ne force personne à acheter. Et je dis encore, quand tu me demandes combien de temps ça va prendre, je te dis combien de temps ça va prendre pour voir le résultat. Et c'est même pas sûr, c'est probable parce que les organismes réagissent différemment. Donc, les questions genre, est-ce que après 3 mois, je pourrais déjà voir les résultats? J'ai pas de réponse à cette question. Ça dépend de votre organisme. Et voilà, c'est comme ça. Certains prennent vite, certains non. Et certains même, ça ne prend même pas. Honnêtement, je vous le dis honnêtement. Et surtout, sachez que ces erreurs que vous commettez, je sais que beaucoup, peut-être quand vous me demandez ça et que je n'ai pas cette réponse claire que vous voulez, bon, ça vous décourage et puis beaucoup partent peut-être voir un autre vendeur qui va leur promettre voilà, un résultat miracle dans 4 mois ou 5 mois et vous tombez dans le piège. Je ne dis pas qu'il faut acheter chez moi, mais je vous dis, peu importe là où vous partez acheter,
sachez que le bon résultat, c'est-à-dire que si vous voulez vous éclaircir sans danger, il n'y a rien qui va se faire en si peu de temps. C'est ce que j'essaie de dire. Si vous voulez éclaircir votre peau sans conséquences néfastes pour votre santé, sans que vous ayez des soucis après 10 ans, après 15 ans, il n'y a rien qui va se faire en si peu de temps. Il n'y a rien qui va se faire en quelques mois. Non, ce sera un long processus et ce sera un processus à vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, maintenant pour voir le résultat, ça peut vous prendre 1 à 2 ans. Oui. Pour un bon résultat, sans problème, ça peut prendre 1 à 2 ans. Voilà. Donc, comprenez donc. Ça va, non? La question est répondue? Ok. Donc, on avance. Alors, et bon, c'est pas une formule mathématique. Hein. Pour certaines personnes, ça peut aller plus vite. Mais j'aime toujours mettre les garde-fous. Alors, prenez ça, mettez-vous dans la tête que après 1 an ou 2 ans, vous allez avoir les, comment dire, la peau que vous voulez. C'est tout. Voilà. Ouh. Alors, à la prochaine, n'est-ce pas?